Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien, donc voilà. On va commencer donc notre première séance qui va porter sur la mécanique des fluides, ou bien ce qu'on appelle la biophysique des écoulements. Il y a un message de la part de Souad. Monsieur, j'avais un problème au niveau de connexion dans ce semestre et je n'avais pas les possibilités pour rejoindre le cours. Maintenant, j'ai réglé les problèmes de savoir s'il y a des. Bien sûr, on a tout enregistré, c'est-à-dire toutes les séances sont enregistrées, Souad. Donc, essayez de revenir aux séances, que ce soit pour la mécanique de points. Ou bien l'électricité, idem pour la mécanique de fluide qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà. Donc, cette branche, ou bien cette discipline qui est mécanique de fluide, donc il va s'intéresser à ce qu'on appelle les écoulements des fluides. Et les fluides sont les liquides et les gaz. Lorsque ceux-ci, c'est-à-dire les fluides, ou bien les liquides et les gaz, subissent des forces, ou bien ce qu'on appelle exactement en mécanique de fluide, les contraintes. Et il est étendu actuellement à des écoulements solides, tels que par exemple les glaciers, tels que le menton terrestre, etc. Donc je vais aborder ce cours-là, suivant le plan suivant. Donc je vais commencer par une petite introduction. Là, on va définir quelques mots-clés, c'est-à-dire quelques terminologies, à savoir par exemple le fluide parfait, le fluide réel, à savoir les fluides compressibles et incompressibles, etc. Ensuite, on va aborder donc une deuxième partie, c'est la statique des fluides. Donc la mécanique du fluide, elle se compose de deux grandes branches. Donc la statique des fluides, ou bien ce qu'on appelle l'hydrostatique, qui étudie les fluides au repos. Donc, c'est le début de la mécanique. C'est le début, du point de vue historique, c'est le début de la mécanique de fluide, avec bien sûr ce qu'on appelle la poussière chimique qu'on va voir par la suite, par l'étude de la pression, etc. La deuxième branche de la mécanique de fluide, c'est la dynamique de fluide. La dynamique de fluide, c'est-à-dire qu'il va étudier cette fois-ci, comme le cas du point matériel. On a parlé de la statique ou bien de la cinématique et on a parlé aussi de la dynamique, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des forces qui agissent. Donc la dynamique va étudier cette fois-ci le fluide en mouvement. Et donc on va aborder donc cette partie-là la semaine prochaine. Et donc il va être subdivisé en deux parties, la dynamique des fluides qui sont rayés et la dynamique des fluides qui sont parfaits. D'accord? Donc voilà. Si on donne une définition à la mécanique de fluide, et bien c'est tout simplement une branche de la physique qui s'intéresse, comme j'ai déjà mentionné, à l'étude du comportement du fluide. Donc liquide et gaz au repos, c'est-à-dire on parle ici de la statique des fluides, et liquide et gaz en mouvement, et on parle ici de ce qu'on appelle la dynamique de fluide. Bien, donc la mécanique de fluide, elle peut s'appliquer ou bien il trouve un champ d'application qui est vraiment vaste. À savoir, par exemple, en biologie, on s'intéresse aux écoulements de fluides vivants, c'est-à-dire des fluides biologiques, à savoir le sang. Étude, par exemple, de l'écoulement de fluide à travers les veines, à travers les vénules, à travers les artères, etc. À travers les singularités géométriques telles que les bifurcations. À travers les sténoses, les conduites telles que vous avez des couches qui sont collées contre les parois, etc. etc. Il s'intéresse aussi au domaine de l'énergie, au domaine nucléaire, tel que par exemple l'optimisation et le refroidissement du combustible. Il s'applique aussi au réseau hydraulique et il est riche en applications. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver l'application de la mécanique de fluide. Donc, un fluide, si je vais définir un fluide, et bien un fluide, c'est un milieu qui est déformable, contrairement au solide. Un fluide,
C'est un milieu qui est déformable et qui est continu et elle s'écoule. Ça, c'est la définition de mot fluide. Donc, un fluide, c'est un milieu qui est déformable, contrairement au solide. D'accord? Et donc, c'est un milieu qui est continu et il peut s'écouler. Donc, si on s'intéresse à ce qui est microscopique, à l'échelle microscopique, un solide, si je fais la distinction entre, c'est-à-dire si on va tracer par exemple la pression, ou bien la variation de la pression en fonction de la température, c'est ce qu'on appelle un diagramme de phase. Eh bien, dans ce diagramme de phase, on peut illustrer trois phases, à savoir la phase liquide, la phase solide et la phase gazeuse. D'accord? Et donc, ces trois phases, ou bien ces deux phases, telles que les liquides, et les gaz sont, ils font partie de ce qu'on appelle fluide. Donc, liquide plus gaz, c'est ce qu'on appelle un fluide. D'accord? C'est ce qu'on appelle un fluide. Donc, on va exclure les solides. Et donc, je répète, si on s'intéresse à ce qui est microscopique, c'est-à-dire la différence entre un solide, un liquide et un gaz de point de vue microscopique, eh bien, les solides, c'est tout simplement les constituants de la matière, à savoir les atomes, sont soudés, c'est-à-dire ils sont vraiment liés, et donc il a une structure qui est indéformable, c'est-à-dire les atomes sont fortement liés entre eux. D'accord? Par contre, s'il s'agit du liquide, on a des atomes qui sont un peu espacés, on trouve quelques liaisons, par exemple cette atome avec l'atome voisin, cet atome par exemple avec l'atome qui est à côté, etc. Donc ils ne sont pas liés comme le cas de solide. Par contre, si je parle de gaz, et bien automatiquement les atomes sont libres, sont totalement libres. Donc on n'a pas de liaison dans la configuration des gaz, les atomes n'admet pas de liaison entre eux. Donc ça, c'est les gaz. Et ça, c'est la vision ou bien le point de vue microscopique. Donc, en mécanique de fluide, on va pas travailler à l'échelle macroscopique, non plus on va pas travailler à l'échelle microscopique, mais on va travailler à une échelle qui est intermédiaire, et donc c'est ce qu'on appelle l'échelle mésoscopique. Ça, c'est l'échelle mésoscopique. Voilà. Donc, on a déjà vu en thermodynamique que l'état d'un système peut être défini par des grandeurs macroscopiques, à savoir donc la température, à savoir la pression et à savoir la masse volumique. Voilà, donc ça c'est une petite introduction concernant le fluide, concernant les trois états de la matière, et donc les liquides et les gaz font partie de ce qu'on appelle un fluide. Les liquides et les gaz font partie de ce qu'on appelle un fluide. Donc, je vais détailler un petit peu ici, c'est quoi la différence entre ce qu'on appelle liquide et un gaz. Et bien, c'est tout simplement le liquide, il est caractérisé par son incompressibilité. Il a la caractéristique d'être incompressible. C'est-à-dire, si je vais agir sur le milieu liquide, la variation du volume, c'est-à-dire que le volume ne varie pas. Et dans ce cas-là, donc, on dit que la masse volumique, elle va demeurer constante. Donc, la masse volumique au sein d'un liquide, donc, rho est une constante. Ça, c'est la première caractéristique des liquides. Donc, contrairement au gaz, sont des milieux qui sont fortement compressibles. C'est-à-dire que rho peut varier en fonction de la température et en fonction de la pression. Donc, rho, il peut varier en fonction de la température et en fonction de la pression. Donc ça, la première caractéristique, les liquides sont incompressibles, ça c'est à retenir, et les gaz sont des milieux qui sont compressibles. C'est-à-dire que le rho, la masse volumique qu'on va définir tout de suite comme étant le rapport de la masse sur le volume, et bien cette grandeur-là, elle va demeurer constante pour le cas des liquides. Par contre, pour le cas des gaz, il varie, c'est-à-dire il est fonction de la température, de la pression, etc.
Une deuxième caractéristique qui différencie les liquides des gaz, c'est la viscosité, c'est la notion de viscosité. Et bien pour les liquides, on peut parler d'un fluide qui est visqueux, faible à forte viscosité. C'est-à-dire pour les fluides, qui sont les liquides, pardon, pour les liquides, donc la viscosité, elle est faible à forte. Contrairement au gaz, que je peux avoir une viscosité qui est nulle ou bien faible. Soit elle est nulle, soit elle est faible. D'accord? Comme exemple du liquide, donc je peux parler de ce qu'on appelle l'eau comme liquide. Donc ça, c'est comme liquide. Et les gaz, par exemple, je vais parler de l'air comme liquide, comme un gaz. D'accord? Donc, une deuxième, ou bien une spécificité concernant les gaz, eh bien, si un gaz se trouve dans un milieu, par exemple, s'il se trouve, pardon, donc si un gaz se trouve par exemple dans un milieu X, un milieu comme ça, une forme géométrique quelconque, donc il va occuper la totalité de ce domaine-là, ou bien de cet instrument. Par contre, le liquide, donc, elle va occuper une partie de cet instrument, bien de ce milieu-là. Donc, ça, c'est à retenir. Les liquides sont incompressibles, donc la masse volumique demeure constante. Par contre, pour les gaz, c'est un milieu qui est compressible. La viscosité pour les liquides, elle est faible à forte. Par contre, on peut négliger la viscosité pour les gaz. Soit elle est nulle, soit elle est faible, elle est très faible. Donc, voilà, comme caractéristique. Ou bien une différence entre un liquide et un gaz. Et bien sûr, un liquide et un gaz, les deux, ils forment ce qu'on appelle un fluide. Les deux forment ce qu'on appelle un fluide. On va donc parler de deux types de fluides. Deux types de fluides. Soit le fluide, il est parfait. Soit le fluide, il est parfait. Soit le fluide, il est visqueux. C'est-à-dire, on va distinguer entre un fluide tel que son mouvement peut être décrit sans tenir compte des effets de viscosité. Et dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle un fluide qui est parfait. Un fluide parfait, ça veut dire que c'est un fluide tel que la viscosité est une constante. Si je note la viscosité, on va voir ceci prochainement. Si on note état, c'est la viscosité, et bien, pour un fluide qui est parfait, pardon, parfait, la viscosité, elle est nulle. D'accord? Par contre, pour un fluide qui est visqueux, la viscosité, elle est différente de zéro. D'accord? Donc, je répète, un fluide, s'il est parfait, sa viscosité, il est nulle, ou bien peut être nulle. C'est une approximation d'ailleurs, comme le cas des gaz parfaits. On a déjà mentionné ça donc lorsqu'on a parlé de la thermodynamique. On a dit que le modèle de gaz parfait, la notion de gaz parfait, c'est un modèle. C'est seulement un modèle. D'accord? On ne peut pas trouver un truc qui est parfait à 100%. C'est-à-dire, le modèle de gaz parfait ou bien le modèle de fluide qui est parfait, c'est un modèle tel qu'on va supposer que gamma ou bien que eta, qui est la viscosité, est égal à zéro, ou bien que son mouvement il est décrit sans tenir compte des efforts, des forces de viscosité. Donc, si je peux étudier le mouvement de fluide, qui est le fluide parfait, sans tenir compte de forces de viscosité, et là, je parle d'un fluide qui est parfait. Par contre, si je vais étudier le mouvement de fluide, et on ne peut pas négliger les effets de frottement ou bien les effets de viscosité. À ce moment-là, on parle ici d'un fluide qui est visqueux ou bien ce qu'on appelle un fluide qui est réel. Donc voilà, donc deux classes de fluides, soit les fluides qui sont réels, soit les fluides qui sont parfaits. Les fluides qui sont parfaits sont des fluides tels que la viscosité peut être prise est égale à zéro. Par contre, un fluide qui est visqueux, la viscosité n'est pas nulle. D'accord? Donc, la notion de viscosité, la notion de viscosité, on peut la trouver par exemple lorsqu'il s'agit d'un écoulement de fluide dans une conduite quelconque, une conduite par exemple cylindrique. Une conduite cylindrique telle que vous avez ici, fluide. Donc automatiquement, si le fluide est visqueux, eh bien la couche, par exemple cette couche-là de fluide, la couche de fluide, il va freiner la couche adjacente. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'un écoulement dans une conduite, eh bien,
une couche, puisque le fluide il est visqueux, eh bien, la couche en question, elle va freiner la couche qui est adjacente, c'est-à-dire qui va se trouver à côté. Et donc, en particulier, si je m'intéresse à la paroi dans notre conduite et aux couches qui est juste adjacente, c'est-à-dire juste à côté de la paroi, eh bien, cette paroi-là, donc, elle va freiner notre fluide. Elle va freiner notre fluide. Et donc, c'est la notion de viscosité qui est ici prise en compte. D'accord? Voilà donc, je vais aborder donc quelques définitions, toujours dans l'introduction. Et donc, on a déjà vu la masse volumique et cette quantité-là, ou bien cette grandeur masse volumique, elle est définie comme étant la masse sur le volume. Avec M, c'est la masse en kilogrammes et le volume, c'est en mètres. Carré. Et dans ce cas-là, la masse volumique, c'est en kilogrammes par mètre 3. D'accord? Donc ça, c'est la première grandeur, c'est la masse volumique. On peut aussi définir la densité comme étant le rapport de deux masses volumiques, tel que ça, c'est la masse volumique du fluide en question et par rapport à une masse volumique d'un fluide de référence. Donc, ce fluide, ou bien ce rho de référence, il peut être pris comme étant ρ de l'eau lorsqu'il s'agit d'illiquide et il va être égal à ρ de l'air lorsque je vais étudier ou bien je vais chercher la densité d'un gaz. D'un gaz. D'accord? Donc, si par exemple je vais chercher la densité par exemple de l'hélium, eh bien je vais chercher donc, je vais écrire D comme étant ρ de l'hélium divisé par un ρ de l'air, c'est-à-dire la masse volumique. De référence ici, c'est le gaz qui est l'air. D'accord? Donc voilà. Donc à retenir aussi ces relations, souvent on va les utiliser. Donc la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Et donc la masse, c'est en kilogrammes et le volume en mètre carré. La densité, c'est le rapport de deux masses volumiques, à savoir donc la masse de fluide en question sur la masse volumique de référence. Pour les liquides, c'est ρ de référence, c'est ρ de l'eau. Pour les gaz, ρ de référence, c'est ρ de l'air. Donc, à retenir aussi quelques formules de conversion. Ça, c'est à retenir. Donc, 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Et 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Et vous avez des masses volumiques de fluide, telles que par exemple l'eau, c'est 1000 kg par mètre carré, par mètre 3. Et le ρ de l'air, c'est 1,3 kg par mètre 3. C'est bon? Est-ce que vous arrivez à suivre? C'est bon? Il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Très bien, donc voilà, donc pas de questions, donc on va en avance. Donc maintenant, on va définir une grandeur qui est essentielle en mécanique de fluide, c'est ce qu'on appelle la pression. Et on a déjà vu ça lorsqu'on a parlé de thermodynamique et la loi des gaz parfaits. Donc, la pression, c'est une grandeur scalaire qui est définie comme étant le rapport d'une force par unité de surface. Donc, c'est ça la pression. Donc, c'est la force par unité de surface. Et dans ce cas-là, la force va être exprimée en newton et la surface en mètre carré. Et donc, par conséquent, la pression, c'est en newton par mètre carré, et ce newton par mètre carré, c'est ce qu'on appelle le pascal. Ça, c'est l'unité de la pression. C'est le pascal. Donc, il y a quelques unités qui sont regroupées sur ce tableau-là. Donc, vous avez ici un millimètre de mercure, c'est par exemple 133,3 pascal. Un bar, c'est 10 à la puissance 5 pascal, par exemple. En atmosphère, c'est 760 millimètres de mercure. 1 centimètre de mercure, c'est 1333,2 pascal, etc., etc. Ce sont des relations qui donnent, ou bien ce sont d'autres unités de pression. Mais lorsqu'il s'agit, je répète, lorsqu'il s'agit de pression qui est définie comme étant la force par unité de surface, telle que la force, elle est en newton et la surface, elle est en mètre carré, et bien cette pression-là, elle est en pascal, elle est en pascal. D'accord? Elle est en pascal. Donc voilà comme grandeur essentielle en mécanique de fluide. Maintenant, je vais essayer d'aborder la partie essentielle et c'est la première relation qu'on va utiliser souvent. C'est ce qu'on appelle la relation fondamentale de la statique des fluides.
c'est la relation fondamentale de la statique, la relation fondamentale de la statique, pardon, de statique, relation fondamentale, pardon, c'est la relation fondamentale de la statique de fluide. Comme le cas lorsqu'on a parlé de mécanique de poids, on a parlé du principe fondamental de la dynamique. Le PFD, c'est la deuxième loi de Newton. Et donc ici, c'est la relation fondamentale de la dynamique qui va régir le fluide qui est au repos. Donc on va considérer un fluide qui est au repos et un fluide qui est incompressible. Les fluides donc qui sont incompressibles ne sont que les liquides. Que les liquides. D'accord? Et donc on va établir cette relation-là, qui est la relation de la statique des fluides. Donc on va imaginer par la pensée un élément du fluide. Parce que ici, en mécanique de fluide, on ne va pas travailler avec un point matériel, c'est-à-dire comme le cas de mécanique de poids, mais on va travailler avec un petit volume mésoscopique, c'est-à-dire il n'est pas macroscopique, mais il n'est pas microscopique. C'est un volume que je vais isoler par la pensée, un petit volume qui a la forme, par exemple, qui est cylindrique ici. Et donc ce petit volume-là, si je fais l'inventaire des forces, si je fais l'inventaire de force, s'il vous plaît, essayez de ne pas utiliser le... Donc, je répète, considérons un petit élément de volume qui est isolé par la pensée, c'est ce volume-là. Ça, c'est un élément de fluide que je vais étudier. Et bien, si je fais l'inventaire de toutes les forces qui sont appliquées, donc la première force appliquée, c'est le poids P. C'est le poids P0 qui est appliqué au centre de gravité dans notre élément fluide. Donc, notre élément fluide qui est le cylindre ici. D'accord? Il y a la forme cylindrique. Ça, c'est la première des forces. La deuxième des forces, la surface qui est en haut, elle va être soumise, la surface qui est en haut, elle est soumise à l'action d'une force que je vais noter Fs. Elle est dirigée vers le bas. Donc, c'est-à-dire, c'est la force qui est exercée par le fluide qui est en haut sur notre élément de fluide, sur notre élément de fluide. Est-ce que vous avez compris cette notion-là? Donc, le poids, c'est puisque la masse, puisque l'élément de fluide, il a une masse, donc il est soumis à l'action de la pesanteur, c'est le pesant, c'est le poids. D'accord? Maintenant, la partie supérieure, l'élément de surface, ça, c'est un élément de surface que j'ai noté ici, D2S, il est soumis à une force. De la part de quoi? Bien de qui? C'est de la part de fluide qui est en haut, c'est-à-dire de ce fluide-là qui est là, parce que l'élément de fluide elle est émergé dans le fluide global. D'accord? Donc, si ce fluide-là, il va exercer une force qui est dirigée vers le bas, que j'ai noté Fs. Donc, c'est la force de pression qui est exercée sur l'élément de surface supérieure. Et de même, la surface inférieure, la base de notre cylindre, cette surface-là, inférieure, elle va être soumise à l'action de la force Fi qui est dirigée vers le haut. Et cette force-là, elle est due à la présence de ce fluide qui est en bas, c'est-à-dire le fluide qui est adjacent, qui est à côté de notre surface inférieure. Donc, un autre type de force auquel est soumis l'élément de volume, c'est-à-dire notre cylindre, et bien, c'est ce qu'on appelle les forces latérales. Donc, vous avez des forces qui sont appliquées de part et d'autre dans notre cylindre. Par exemple, à ce niveau-là, il y a une force à ce niveau-là, etc. Donc, et de même, de l'autre côté. Et de même, vers vous. Et derrière le cylindre, etc. Donc, c'est-à-dire, sur la surface latérale de notre cylindre, ils sont appliqués des forces, mais heureusement que ces forces-là, elles vont s'annuler deux à deux. Et donc, on n'a pas tenu compte de ces forces-là parce que la somme, c'est égal à zéro. Ou bien la résultante de ces forces-là, latérale, et donc elle est nulle. La résultante est nulle. D'accord? Et donc, voilà. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? C'est clair? Monsieur? Oui, oui. Monsieur, ces trois forces sont toujours présentes? Bien sûr, le poids il est toujours présent tant qu'il y a une masse. Et la face supérieure, elle est toujours soumise à l'action de la force qui provient de fluide qui est en haut. Et la force inférieure, elle est due à la présence de fluide qui est en bas. Parce que l'élément fluide, c'est le fluide qui est à l'intérieur. C'est-à-dire,
Par exemple, ici, voilà un fluide qui se trouve ici. Ça, c'est un fluide. On va ici désigner par la pensée, un élément ici de fluide, par la pensée. Et donc, sur cet élément-là, il se met à l'action des forces de fluide qui sont en haut, en bas, etc. Est-ce que c'est clair? Et bien sûr, aux forces latérales qui sont à la surface latérale de notre cylindre. Est-ce que c'est clair, Riva? Oui, monsieur, merci. C'est bon. Donc voilà. Donc trois forces ici, donc sur le poids, la force de pression supérieure, la force inférieure. Et donc, puisque je parle ici de la statique du fluide, c'est-à-dire que le fluide il est au repos, n'est-ce pas? Parce que je parle ici de mot statique, ça veut dire fluide au repos. Et donc, si le fluide il est au repos, je peux dire que la somme de toutes les forces appliquées, elle va être égale à zéro. Donc, si le fluide, il est en mouvement, et bien la somme des forces, c'est le PFD que vous connaissez, la somme des forces est égale à 1 fois gamma, 1 fois l'accélération. Mais ici, le fluide, il est au repos, et donc la somme de toutes les forces appliquées est égale à zéro. Mais la somme, c'est vectorielle ici. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, le niveau supérieur, il est à l'altitude Z plus DZ, et le niveau inférieur, il est à l'altitude Z. D'accord? Suivant l'axe vertical qui est dirigé vers le haut. L'axe vertical qui est dirigé vers le haut. Et dans ce cas-là, donc ça, l'axe, la surface inférieure, il est soumis à l'action de P, qui est la pression. Attention, il ne faut pas confondre ici pression avec le poids qui est une force. Ça, c'est la pression. D'accord? Donc ça, c'est P, la pression. Et la force, ou bien la partie supérieure, il se met à l'action de la... il se met à une pression de P plus D2P. D'accord? Donc voilà. Maintenant, on va faire la projection de cette équation-là. La projection de cette équation-là sur l'axe des X. Donc si je fais cette projection-là, eh bien, pour le point P, allez-y, essayez de m'aider, s'il vous plaît. Pour le point P, 0, le point P, 0, le point P, 0, il est dirigé vers le bas, n'est-ce pas? Et donc, il est opposé à Z. Et donc, c'est moins mg. Ça, c'est moins mg. D'accord? On a dit que la masse volumique et la masse sont reliées par la relation ρ égale à m sur v. Et donc, la masse, c'est ρ fois v. Et donc, on aura ici moins ρ fois v, avec v volume ici. D'accord? Qui multiplie par g. Ce v-là, qui est le volume de l'élément de fluide, eh bien, c'est tout simplement la surface de base qui est d de s, qui multiplie l'élément, la hauteur h, qui est d2z ici. Et donc, multiplie par d2z, qui multiplie par g. Est-ce que c'est clair? Donc, je répète, le point P0, il est appliqué au centre de gravité de l'élément de fluide et il est dirigé vers le bas. Donc, voilà le moins qui vient parce qu'il est opposé à z. D'accord? Donc, P0, c'est moins mg fois z. P0, c'est moins mg. Donc, c'est moins mg. Le M est lié à la masse volumique. M sur V. Donc, M, c'est ρ fois V. Donc, c'est moins ρ fois V fois G. Et le V, le volume de notre cylindre, ou bien de l'élément de cylindre, eh bien, c'est D de S, c'est la surface de base qui multiplie par cette distance-là. Eh bien, cette distance-là, ce n'est rien que Z plus D de Z moins Z. Et donc, c'est D de Z. Et donc, voilà, ça, c'est la première des forces. Pour la force supérieure, la force de pression supérieure. Vous savez que la force de pression, on a défini que la pression, c'est combien? Allez-y, répondez. C'est quoi la pression? F sur S. Donc, c'est F sur S. Très bien. Donc, c'est F sur S. Donc, si je veux calculer Fs, eh bien, Fs, c'est quoi? C'est la pression fois la surface. Eh bien, la pression ici, c'est P plus D de P, qui multiplie par D de S l'élément de surface, avec le signe moins, parce que vous avez le Fs, il est opposé à Z. Le Z, il est vers le haut. On a choisi cette convention, le Z, il est vers le haut, et le Fs, il est vers le bas. Ça, c'est pour le Fs. Pour l'autre force, Fi. Pour le Fi, c'est une force aussi de pression. C'est-à-dire une force de pression. Et donc, cette force de pression, la Fi, la même chose, donc c'est la pression P multipliée par la surface D de S. Donc, c'est la pression. Et il n'y a pas ici de moins parce que le Fi, il est dans le même sens que Z. Donc, j'espère que c'est clair. Hein? Et donc, voilà. Donc, j'ai fait la projection. J'ai fait la projection.
de cette équation vectorielle. J'ai fait la projection sur l'axe des z de cette équation vectorielle. Et bien, si je fais cette projection-là, d'après ce que je viens de préciser, et bien, le P0, c'est le point qui va être écrit sous cette forme-là. Le A force FS, il est donné par ça. Et le FI, il est donné par ça. Et donc, si je fais la somme algébrique de P0, donc P0 plus FS plus FI, il va être égal à 0. Et donc, si je fais ceci, voilà. Donc, moins rho dzds fois g plus p ds moins p fois ça. Et si j'avance cette écriture, je vais obtenir cette équation-là. Et bien, cette équation-là, je peux dire que ça, c'est la loi fondamentale de la statique des flux. C'est ce qu'on appelle la loi fondamentale de la statique des flux. Donc, à retenir, à retenir. D'accord ? Alors, cette loi fondamentale de la statique de fluide, je peux l'écrire, sous cette forme-là. Mais ce n'est pas toujours ça, c'est une forme qui est vraie, mais uniquement parce que vous avez le fluide, il est incompressible. C'est-à-dire que vous avez un liquide. Si par exemple vous avez un gaz, c'est un fluide qui n'est pas incompressible, il est compressible. Ça veut dire que ρ n'est plus constante. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire que D de P, c'est ça. Non, ça, c'est faux. D'accord ? Donc, je répète. Ça, c'est l'équation à retenir. Ça, c'est une équation générale. C'est plus général que cette équation-là. Mais comment on a passé de là à là ? On a passé de là à là seulement en intégrant cette équation. C'est-à-dire, c'est une équation, c'est la dérivée ici. Donc, si j'intègre cette équation, on a l'intégrale de D de P est égal à l'intégrale de moins rho g d de z. D'accord ? L'intégrale de 2 p, c'est p, égale l'intégrale de ça. Ici, il faut discuter. Et ici, il faut discuter. Puisque le fluide, il est incompressible, donc rho est une constante. Donc, je peux faire sortir le rho. Et donc, si je fais sortir, je fais sortir le rho, donc on a ceci. Le g, il peut être considéré comme constant. Et donc, il reste l'intégrale de d de z. Et donc, voilà, p est égal à donc, l'intégrale de d de z sur z. Et donc, p est égal à moins rho fois g fois z. Mais il faut ajouter une constante d'intégration. D'accord ? Et donc, cette équation-là, c'est p. Je vais ramener ce terme-là à gauche. Donc, c'est p plus rho gz est égal à une constante. Et ce n'est rien d'autre que ceci. Mais voyons le passage de là à là. On a supposé que ρ et g sont des constantes. D'accord ? On a supposé que g, ρ, et sont constantes. D'accord ? Et dans ce cas-là, puisque le fluide il est incompressible, on peut considérer que le ρ est une constante. D'accord ? Donc voilà. Donc en résumé, donc le PF, la relation fondamentale de la statique de fluide, eh ben, c'est cette équation-là que je peux l'écrire puisqu'il s'agit du fluide incompressible. Qui sont les liquides, je peux l'écrire sous cette forme-là. Et donc, ça veut dire que P plus rho GZ est une constante. Que P plus rho GZ est une constante. Est-ce que vous avez une question? Donc, cette relation, c'est la relation fondamentale de la statique du fluide. Elle est sous cette forme générale ou bien sous cette forme particulière lorsqu'il s'agit de liquides. Et donc, ce sont les fluides qui sont incompressibles. Dans cette grandeur, bien, dans cette équation-là, eh bien, P, c'est la pression, elle est exprimée en pascal. Ρ, c'est la masse volumique, elle est exprimée en kilogrammes par mètre 3. Et G, c'est l'accélération en mètres par seconde. Et l'altitude, elle est en mètres, bien sûr. Donc, attention aux unités, s'il vous plaît. Ça, c'est important. Il faut toujours respecter les unités pour avoir une solution, bien, un résultat qui est correct. D'accord ? Donc voilà, ça c'est la relation à retenir. Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture-là? Par exemple, si je m'intéresse à cette écriture P plus rho GZ est égal à une constante, ça veut dire que cette somme-là est demeurée constante. Ça veut dire que la quantité-là, il va demeurer constante. Ça veut dire que je peux écrire, par exemple, si vous avez un fluide et vous avez deux points de fluide, ça c'est le fluide, et vous avez un point à l'intérieur du fluide, un autre point, par exemple, ici B, je peux écrire cette relation P en A, plus rho
GZA, considérons par exemple l'axe vertical comme ça, le point A, il a l'altitude, il est à l'altitude ZA, le point B, il est en ZB, et donc PA plus ρGZA égale la quantité en B, c'est PB plus ρGZB, etc. Si vous avez un autre point C, c'est égal à PC plus ρGZC. Et ainsi de suite, si vous avez un autre point, de même, ça veut dire que la quantité P plus ρGZ est une constante. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Répondez, s'il vous plaît. Là, je ne vais pas avancer. Donc, il dit oui, monsieur. Sradia, il dit oui, c'est bien. Schéma, c'est bien. Très bien, donc c'est... Mohamed Ibn Amr, c'est bien. Très bien, donc voilà. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, donc maintenant on passe à voir des conséquences de cette relation-là. Quelques conséquences de cette relation-là. Je vais commencer, donc je vais rappeler cette équation à ce niveau-là, pardon. Donc si je vais écrire à nouveau la relation fondamentale de la statique de fluide, qui est D de P sous sa forme générale, moins ρ qui multiplie G et fois D de Z. Ça, c'est une relation à retenir. Et ce n'est pas la forme la plus générale en mécanique de fluide, donc c'est en gradient, en fonction de gradient, donc c'est normalement la forme la plus générale, c'est ρ fois G vecteur égale à grade de P. Ça, c'est grade de la pression. C'est ça la forme la plus générale, mais laissez tomber ceci. Il faut retenir uniquement pour vous les biologistes, il faut retenir ceci. Donc, c'est moins ρgz moins ρg fois D2z, c'est D2p. D'accord? Maintenant, il y a des conséquences à cette relation-là. Donc, je vais réécrire cette équation. Donc, D2p égale à moins ρg qui multiplie D2z. On va discuter si D2z égale à 0. Si D2z égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire D2Z égale à 0? Répondez. Si vous avez D2Z est égal à 0. Mais qu'est-ce que ça veut dire D2Z est égal à 0? Ça veut dire que la variation de Z est nulle. Constante. Que... Hein? Oui. Oui. Ça veut dire que Z ne varie pas. Ce qu'il y a, ce n'est pas le moment de dire D2P. Mais je veux tout simplement savoir si D2Z est égal à 0, ça veut dire D2Z égal à 0, ça veut dire que Z ne varie pas. Et donc Z, si c'est, ça c'est l'axe de Z, qu'est-ce que ça veut dire Z ne varie pas? Répondez. Les constants. Oui, mais sur un plan, c'est-à-dire pratique, sur la figure, une figure, c'est quoi le Z est égal à une constante? Ça veut dire que Z est égal à une constante, mais qu'est-ce que ça veut dire Z est égal à une constante? Il est en route. Hein? Oui. Oui. Donc, je sais que CZ est une constante, il ne varie pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le fluide ne bouge pas. Non, ça n'a rien à voir avec le fluide ne bouge pas. Et le fluide ici, on va étudier la statique, donc c'est le fluide qui ne bouge pas. C'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que je suis sur un même niveau. Z est une constante. Ça veut dire que le point A, il est en Z, par exemple, A, et le B, il est en Z, B. Mais le ZA égale à ZB égale à ZC, c'est-à-dire je suis sur un plan, sur un même plan qui est horizontal. Est-ce que c'est clair? Donc, si D2Z est égal à 0, le mouvement dans l'axe Z, mais Mohamed, le mouvement, il n'y a pas de mouvement ici. C'est-à-dire que je suis sur un plan horizontal qui est fixe. Donc, je répète. Si D2Z est égal à 0, ça veut dire que Z est égal à une constante. Vous êtes d'accord? D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire Z est égal à une constante? Ça veut dire que je suis sur un même plan. Donc voilà, retenir ceci s'il vous plaît, on va avancer. Donc je répète, si D2Z est égal à 0, ça veut dire que Z est une constante. Ça veut dire que je suis sur un même plan. Ça veut dire que le A il est à côté de B, c'est-à-dire sur le même plan. Il appartient au même plan, à côté de C, à côté de D, etc., etc. Donc, maintenant, si D2Z est égal à 0, d'après la relation fondamentale de la statique, si D2Z est égal à 0, qu'est-ce qu'il vaut D2P? Ça veut dire que D2P est égal à 0 aussi, n'est-ce pas?
Très bien, oui Amina, oui Rania. Donc D2P égale à 0, ça veut dire que D2P égale à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire D2P égale à 0? Ça veut dire que P est une constante, que la pression demeure constante. Et donc, qu'est-ce que je peux conclure à partir de là? Il y a là une phrase, s'il vous plaît, je veux une phrase. Donc, je répète et je veux à la fin une phrase. Donc, si D2Z est égal à 0, ça veut dire que Z est une constante. Ça veut dire que le Z ne varie pas. Ça veut dire que je suis sur un plan horizontal, sur le même plan horizontal. Et la conséquence de ça, d'après la relation fondamentale de la statique, que D2P égale à 0, et on a conclu que P est une constante. Alors, une phrase, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Et bien, c'est simple, que sur un même plan horizontal, la pression ne change pas. On a donc ce qu'on appelle les isobares. On a déjà vu ça en thermodynamique. Donc, la pression est constante sur des plans horizontaux. C'est ça la phrase. Donc, Zeynep a écrit, donc la pression est constante dans un même niveau. Exactement ça. Très bien, Ben Souda. Zeynep, c'est bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première conséquence de la loi fondamentale de la statique des fluides. C'est-à-dire, la conclusion a été tiré à partir de la relation fondamentale de la statique de fluide, c'est-à-dire à partir de cette relation. Donc voilà la première conséquence. Est-ce que c'est clair? Donc si vous êtes sur un même niveau, eh bien la pression est la même. La pression est la même et on parle de ce qu'on appelle les isobares. D'accord? La deuxième des choses, la deuxième conséquence, je vais rappeler toujours l'équation de la statique, donc D2P, c'est moins ρg qui multiplie D2Z. Je vais raisonner sur le signe. Le signe. Si D2Z est positif, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Si D2Z est positif, j'ai oublié. Si D2Z est positif, ça veut dire quoi? Est-ce que le Z augmente ou bien diminue? Est-ce que vous m'entendez? Donc voilà, quand ça il dit augmente, augmente Zeynep, augmente Amina, etc. Donc augmente, c'est bien. Donc voilà. Donc si le D2Z est positif, ça veut dire que Z augmente. Ici, D2Z est positif. Quel est le signe du D2P? Répondez. Quel est le signe du D2P? Donc le D2P est négatif. Ça veut dire D2P est négatif, ça veut dire que PD. Que P diminue. Voilà. Donc, lorsque Z augmente, la pression diminue. C'est-à-dire, lorsqu'on va augmenter en altitude, la pression, elle va diminuer. Ça, c'est à retenir. Donc, je répète, lorsque je vais augmenter en altitude, la pression va diminuer. La pression va diminuer. D'accord? Et donc, ça, c'est aussi une conséquence. Même la relation fondamentale de la statique qui est j'encadre ici. D'accord? Donc, voilà la deuxième conséquence à retenir. Donc, la première, que l'on a des isobares, c'est-à-dire que la pression ne change pas sur un même niveau. Et si la pression, elle va changer, elle va diminuer lorsque Z augmente. C'est la deuxième conséquence. Maintenant, la dernière conséquence, c'est que la surface de séparation entre deux fluides non miscibles est une surface qui est plane. C'est-à-dire, si je considère deux fluides. Attendez, un exemple de deux fluides qui sont non miscibles. Allez-y. Que vous connaissez, que vous utilisez quotidiennement. Donc, l'eau, quand ça oui, l'eau, et quoi d'autre? Donc, l'eau, c'est bien. Donc, si je donne un exemple de deux fluides qui sont. Oui, oui. Donc, l'eau et l'huile. Très bien. Donc, si je considère deux fluides tel que l'eau et l'huile, donc ce sont deux fluides qui sont non miscibles. Par exemple, ça, c'est l'eau, ça, c'est ρ de l'eau, et c'est un fluide qui est dense, donc automatiquement, sa masse volumique, il va se trouver en bas. Et l'huile, par exemple, c'est à ce niveau-là, donc ça, c'est ρH, ρ-huile. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit, cette troisième conséquence de la relation fondamentale de la statique de fluide? Et il dit que la surface de séparation, parce que ce sont deux fluides qui sont non miscibles,
Donc, la surface de séparation entre les deux fluides est une surface qui est horizontale et plane. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas avoir une telle configuration comme ça, par exemple. Ça, c'est l'eau, par exemple, et ça, c'est l'huile. Je ne peux pas avoir une surface. Ça, c'est l'eau, ça, c'est l'eau, et ça, c'est l'huile. D'accord? Donc, je ne peux pas avoir une configuration de ce type-là parce que la surface de séparation, il est incliné, il est courbé et ça n'a pas de sens ici. Donc, d'après la relation fondamentale de la statique de fluide, cette surface-là est obligatoirement une surface plane et c'est une surface qui est horizontale. D'accord? Donc, voilà en conséquence de cette relation fondamentale de la statique du fluide. Donc, jusqu'à présent, on a étudié le fluide qui est au repos. Donc, on a établi la relation fondamentale de la statique de fluide. On a dit que c'est une relation qui s'écrit sous la forme D2P égale à moins ρg D2L. Ça, c'est à retenir. Dans un cas particulier, lorsqu'il s'agit de fluides qui sont liquides, qui sont incompressibles, ça veut dire ρ et g sont des constantes. Donc, on a dit que P plus ρgz, cette équation est équivalente à ρ plus gzz est égal à une constante. Est égal à une constante. D'accord? Et on a tiré trois conséquences qui sont importantes. La première des conséquences, on a dit que les plans horizontaux sont des isobares. Les plans horizontaux sont des isobares. Ça, c'est la première conséquence. C'est-à-dire que la pression, pardon, c'est-à-dire que la pression, il ne va pas changer sur un plan qui est horizontal. On a dit que la pression diminue lorsque l'altitude, le z augmente et on a dit que la surface de séparation est une surface qui est plane et horizontale. Ça, c'est les conséquences de la relation fondamentale de la statique des fluides. Donc, si vous n'avez pas de questions, on passe à appliquer cette relation fondamentale. Et on va l'appliquer à ce qu'on appelle les vases communicants. Donc, on va considérer une vase en U, donc c'est-à-dire comme un U ici. Donc, voilà, ça, c'est la vase en U. Et on va considérer deux fluides. Le premier fluide, c'est celui-là, de masse volumique. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui ou non? Oui, monsieur. Oui, très monsieur. Bien. Donc, très bien. Donc, voilà, le premier fluide, c'est de masse volumique ρ1, c'est en jaune. Et le deuxième fluide, c'est ce qui est en granulation, c'est-à-dire c'est le deuxième fluide, c'est celui-là. C'est celui-là. Et donc, il a la masse volumique ρ2. On va supposer que les deux fluides sont non miscibles. Sont non miscibles, c'est-à-dire ils ne se mélangent pas. D'accord? Très bien. Donc, je vais appliquer. Je vais noter ça, c'est le point A, c'est-à-dire le niveau supérieur de fluide de masse volumique ρ1, c'est le point A. Le fluide ρ2, le niveau supérieur, c'est en C. Je vais noter C. Et l'interface entre les deux fluides, c'est le niveau B. Entre A et B, c'est H1. Et entre C et B, c'est H2. D'accord? Et je vais appliquer maintenant la relation fondamentale de la statique de fluide que je viens de démontrer. Donc, c'est cette relation. P plus ρgz est égal à une constante. P plus ρgz égale une constante. Donc, je vais l'appliquer entre A et B. Donc, je vais appliquer ceci entre A et B. Ce n'est pas difficile. Donc, PA plus ρ1 GZA, parce que HEDA, il est en ZA, l'axe ou HEDA. Donc, PA plus ρ1 GZ1 égale à P en B plus ρ1 fois GZB. Et je vais isoler PB et PA. Donc, PB moins PA. Ça va donner ρ1 GZ1 moins ρ1, etc. Il va donner ceci. Et ZA moins ZB, ce n'est rien d'autre que H. Et voilà donc le premier résultat. L'application de la relation fondamentale de la statique entre B et C, head PB ici, head la pression à ce niveau-là, elle va être égale à ce niveau-là, parce qu'on a dit que sur un même niveau, on a la même pression. On a la même pression. Et donc, si je vais écrire entre B et C, donc entre B et C, donc c'est PB, plus ρ2 parce qu'il s'agit de fluide 2, plus Z. ρ fois g fois zb, ça c'est zb. Et au niveau de c, c'est p en c plus ρ2, etc., etc. Si je vais regrouper les pressions d'un côté et les quantités ρgz de l'autre côté, je vais obtenir
rho de z, c'est moins zb, et donc c'est rho 2 fois h2, qui est la différence d'altitude entre le niveau B et le niveau C. Et donc, si j'avance cette écriture-là, à noter s'il vous plaît, puisque le tube, il est à l'air libre, le tube il est ouvert à l'air libre, c'est-à-dire que la pression en A, c'est la pression atmosphérique. Donc, la pression en A, c'est la pression atmosphérique. Et de même pour le côté niveau C, donc il est ouvert à l'air libre, et donc le PC, c'est aussi la pression atmosphérique. Et donc, en remplaçant P, B moins P atmosphérique, ou P moins P atmosphérique, est égal à d'une part ceci et d'autre part ceci, je peux dire que ça est égal à ça. Et donc, rho 1 H1 est égal à rho 2 H2. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est une première application de la relation fondamentale de la physique des fluides. Donc, j'espère que c'est clair. Oui ou non? Mais qu'est-ce que je peux déduire de cette équation-là, de cette équation qui est devant vous? Eh bien, ce n'est pas difficile. Si je vais regrouper les termes ρ1 sur ρ2, ρ1 sur ρ2, donc ρ1 sur ρ2, elle va donner donc H2 sur H1. Et on va raisonner sur les masses volumiques. Si ρ1 est supérieur à ρ2, c'est-à-dire que le fluide 1 est plus dense que le fluide 2, ça veut dire que H1 il va être supérieur à H2. Et inversement. Donc, si vous avez ρ2, oui, monsieur, pouvez-vous répéter la partie OP1? Donc, voilà. Pour Sénat, donc, puisque notre tube, il est ouvert à l'air libre. Donc, ça, c'est ouvert à l'air libre. C'est pas fermé. D'accord? Ça, c'est ouvert à l'air libre. C'est-à-dire que le fluide, que le tube il est ouvert à ce niveau-là, et donc ça veut dire que le point A il est en contact avec l'atmosphère, avec l'air, et donc il est soumis à l'action de la pression atmosphérique. Ça veut dire que PA, on va la prendre, que PA, la pression PA, on va la prendre toujours, c'est la pression atmosphérique. Pourquoi? Parce que le tube il est ouvert à l'air libre, à ce niveau-là. De même ici. C'est un tube qui est ouvert, à l'air libre. Et donc, la pression, le point C, il est en contact avec l'atmosphère. Et donc, sa pression, c'est aussi la pression atmosphérique. C'est clair? Voilà. PA, c'est la pression en A. Et PC, c'est la pression en C. Et puisque les deux tubes sont ouverts à l'air libre, et bien, c'est la pression atmosphérique. Très bien, donc, c'est là. Donc, je reviens maintenant à ce que je viens d'expliquer. Ici, vous avez un rho 1 sur rho 2 est égal à H2 sur H1. Supposons que H1, il est, bien rho 1, pardon, il est inférieur à rho 2. Il est inférieur à rho 2. Qu'est-ce que je peux dire des altitudes H et H2, H1 et H2? Répondez. Si vous avez H1, il est inférieur à H2. Pardon. Si vous avez rho 1, il est inférieur à rho 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien qu'est-ce que je peux déduire à propos des H1 et H2? Répondez. Ça veut dire que H2, il est inférieur à H1. Cette conséquence-là, ça veut dire que H2, il est inférieur à H1. Donc, si vous avez le fluide 1, il est moins dense que le fluide 2, et dans l'altitude 1, il va être supérieur à l'altitude 2. H1, il est supérieur, très bien, à 1000. C'est bon? Et inversement, si vous avez rho 1 qui est supérieur à H2, à rho 2, ça veut dire que H2 qui va être supérieur. Et qu'est-ce que ça veut dire rho 1, il est supérieur? Ça veut dire que le rho 1, il va se trouver en bas. Il est plus dense que rho 2. Et ainsi de suite. Donc voilà, ce n'est pas difficile. On passe maintenant à la suite. Ça, c'est la première application. Ça, c'est la première application, ce qu'on appelle les vases communicants. D'accord? Et une deuxième application de la relation fondamentale de la statique de fluide, c'est ce qu'on appelle la surface de séparation. On a déjà dit tout à l'heure, je vais revenir, comme conséquence, qu'est-ce qu'on a dit à propos de ça? On a dit que la surface, de séparation entre deux fluides non miscibles est plane et horizontale. Eh bien, l'application de ceci, je vais démontrer ce résultat. Donc, c'est ça là, le but de la deuxième application. Donc, je répète, je vais appliquer le principe
fondamentale de la statique du fluide, dans le but de quoi? Dans le but de démontrer que la surface de séparation n'est pas oblique. N'est pas oblique, mais il est plane et il est horizontal. Il est horizontal. Eh bien, ce n'est pas difficile. Si j'applique ceci, supposons que vous avez un premier fluide, on va supposer qu'il y a une altitude, c'est-à-dire que la surface de séparation, il est comme ça. La surface de séparation, c'est ça. Ce n'est pas la réalité, on va démontrer que ce n'est pas ça. Donc, supposons que la surface de séparation, il est comme ça. Et on va prendre donc deux points, A et B, le premier point B, et le premier A et le premier B, entre deux fluides, le fluide 1 qui est en vert et le fluide 1, ou bien le fluide 2 en vert et le fluide 1 en bleu. D'accord? Et je vais supposer que les deux fluides sont non miscibles et de masse volumique différente, bien sûr. C'est-à-dire que ρ1 différent de ρ2. Donc, now, vous avez deux fluides. Le fluide qui est en bas, c'est le fluide 2. Le fluide qui est en haut, en bleu, c'est la 1. Et je vais supposer au premier pas que la surface de séparation est une surface qui n'est pas horizontale et qui n'est pas plane. Elle a cette forme-là. Et donc, je vais démontrer que ce n'est pas vrai. D'accord? Que ce n'est pas vrai. L'altitude entre le point A et le point B, c'est petit h. C'est petit h. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas difficile. Pour le fluide numéro 1, je vais appliquer le principe fondamental de la statique, c'est-à-dire la relation P plus O, GZ est égal à une constante. Et donc, si j'applique ça entre le fluide, entre le point A et B, je vais obtenir ce résultat-là. Donc, si j'applique le principe fondamental de la statique des fluides entre A et B, donc je vais obtenir ce résultat-là. Donc, je pense que ce n'est pas difficile. Et dans le fluide 2, je vais appliquer la même différence de pression entre les deux points et c'est ρ2 GH. Et donc, si je fais la différence, ρ2 moins ρ1 facteur de GH est égal à 0. Eh bien, le produit de deux facteurs est nul, c'est l'un des facteurs est nul. Ça veut dire soit que H, le G ne peut être nul. Hein? Le G il est toujours différent de 0. Soit que H est égal à 0. Had l'écriture, had androf, had égal à 0. Ça veut dire que soit que ρ2 moins ρ1 est égal à 0, ou bien que H est égal à 0. Est-ce que ρ1 moins ρ2 peut être égal à 0? Répondez. Répondez. Mais essayez de répondre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux avoir ρ2 moins ρ1 égal à 0? Qu'est-ce que ça veut dire ρ2 moins ρ1 égal à 0? Ça veut dire que ρ2 est égal à ρ1. Hein? Oui? Alors, on a supposé que ρ1 est différent de ρ2. C'est-à-dire que ce terme-là ne peut être égal à 0. Et donc, ça reste que h est égal à 0. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire h est égal à 0? Ça veut dire que ce point B, il est au même niveau que A. Ça veut dire que la surface de séparation, elle va être comme ça. Elle va être comme ça. Plane et horizontale. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà, on a démontré la conséquence numéro 3 qu'on vient de préciser tout à l'heure. À partir de la relation fondamentale de la statique des fluides. La relation fondamentale de la statique des fluides. Donc voilà, comme application, est-ce que vous avez une question? Pas de question? Donc pas de question, très bien. Maintenant, on va énoncer un théorème de Pascal et un deuxième théorème, ce qu'on appelle le théorème d'Archimède, ou bien la poussée d'Archimède. Donc pour le théorème de Pascal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour les fluides qui sont incompressibles, ça c'est important, hein? Les fluides qui sont incompressibles et en équilibre, si vous avez une variation de pression en un point, eh bien cette variation, elle va être entraînée en tout autre point. Ça c'est le théorème de Pascal. Donc si par exemple on vous dit dans l'examen, énoncez le théorème de Pascal, il ne faut pas rester les bras croisés, il faut répondre que s'il s'agit d'un fluide qui est incompressible et en équilibre, toute variation de pression en un point, il va entraîner la même variation de pression en tout point. C'est-à-dire que delta P en A égale à delta P en B. C'est ça le théorème de Pascal. Donc, à retenir. Et voilà, donc, c'est tout ce qu'il y a à dire à propos de ce théorème-là. Donc, passons maintenant au deuxième, mais avant d'entamer la partie sur la poussée d'Archimède. Donc, je vais appliquer le PF, la relation fondamentale de la statique, à ce qu'on appelle la mesure de pression atmosphérique. Donc, la mesure de la pression atmosphérique,
cette mesure-là est faite à l'aide de ce qu'on appelle le baromètre de Torricelli. Et donc, c'est un instrument qui est constitué d'un turquoise en vert. Donc, comme vous le voyez ici, donc ça, c'est le turquoise en vert. Donc, c'est un turquoise ouvert de l'extrémité, par exemple, en haut, et il est fermé de l'autre extrémité. Et je vais le remplir avec ce qu'on appelle un gaz, un HG, c'est-à-dire le mercure. D'accord? Et donc, je vais essayer d'émerger, c'est-à-dire je vais enfoncer ce tube-là d'une manière, ou bien par la partie qui est ouverte dans le liquide, qui est le mercure ici. D'accord? Et donc, à un certain moment, donc le liquide il va créer le vide à ce niveau-là. C'est-à-dire que le mercure, il va couler dans ce sens-là, de telle sorte à créer un vide absolu, un vide total à ce niveau-là. Et donc, si on mesure, si on va prendre une règle, si on prend une règle et on va mesurer cette altitude de liquide qui est le mercure dans ce tube en vert, je vais trouver le H, et ce H-là, ce n'est rien d'autre que 760 mm. 760 mm. Et puisque c'est un 760 mm de quoi? De mercure. Elle est à 760 mm de mercure. Ça veut dire que l'altitude H, il vaut 760 mm. C'est-à-dire que si je prends une règle et je mesure cette hauteur-là, et bien c'est 760 mm. Et donc maintenant, appliquons le principe fondamental de la statique de fluide. Donc, je répète, il s'agit là de ce qu'on appelle le baromètre de Torricelli. C'est pour la mesure de la pression atmosphérique. Le principe, c'est comme je viens de dénoncer. Et bien, si j'applique le principe de la fondamentale de la statique de fluide, entre A, B et C, par exemple, ou bien entre A et C, entre A et B, et bien, c'est pas difficile. Vous avez le point A, il se trouve dans le vide, donc sa pression n'est plus nulle, n'est plus la pression atmosphérique comme le cas de tube qui est ouvert à l'air libre, mais la pression dans ce cas-là, elle va être égale à zéro. C'est là ce qu'on appelle la pression de vide. Donc ça, puisqu'il s'agit de vide. D'accord? Et la pression en B, c'est exactement la pression atmosphérique parce qu'il est ouvert à l'air libre. Donc c'est la pression atmosphérique. Donc PB est égal à aussi la pression atmosphérique, est égal à PC aussi. D'accord? Et je vais appliquer le principe fondamental entre deux points A et B. Donc, si je fais ceci, eh bien, PB moins PA, il va être égal à rho qui multiplie par G qui multiplie par H. Et donc, PA est égal à 0. Donc, ça reste PB. Et ce PB-là, ce n'est rien d'autre que la pression atmosphérique. Et donc, la pression atmosphérique, si je connais le H, et le H, on va à l'aide d'une règle, je vais mesurer cette distance-là. Et donc, rho, la masse volumique de notre fluide, qui est le mercure, c'est 13,6 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. La constante de pesanteur, c'est 9,81. Et le H, c'est 0,1 mètre. Et donc, si je calcule ceci, je vais trouver ceci en pascal. Et bien, c'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Donc, 1,013 10 à la puissance 5 pascal, c'est la atmosphère. Donc, revenons au tableau que j'ai déjà. Le tableau qu'on a déjà, ce tableau-là, voilà. Donc, une atmosphère, donc c'est à peu près 10 à la puissance 5 pascal ou bien 1,013 bar. D'accord? Et donc, c'est la pression atmosphérique. C'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Y a-t-il une question? Est-ce que vous avez une question? Répondez. Pas de question? Très bien, donc Alzine, c'est bien. Très bien. Très bien, voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris ceci. Donc ce n'est pas difficile. Et ça, ce n'est pas la vraie mécanique de fluide. Attention, ça c'est uniquement une petite partie de la mécanique de fluide ou bien quelques notions de mécanique de fluide ou bien introduction à la mécanique de fluide pour les biologistes. Ce n'est rien d'autre que ça. Sinon, la mécanique de fluide, il est un peu une branche qui est un petit peu complexe. D'accord? Donc maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc, on va imaginer dans un bassin qui est plein d'un, ou bien qui est rempli d'un milieu, d'un fluide qui est de masse volumique O2,
Donc, supposons que vous avez un fluide de masse volume O2 et vous avez ici un objet, un corps de volume total, V de T. D'accord? Et donc, si dans une situation, ce volume total, il est émergé partiellement, il est émergé dans le liquide, bien dans le fluide de masse volumique O2, il est émergé partiellement, c'est-à-dire que cette partie-là, qui est au-dessus de l'eau, et dont volume V émergé, donc ce corps-là, il est soumis à l'action de deux forces, ben là, c'est le poids, parce que le poids, c'est lié à la masse, puisque le corps, il a une masse, donc automatiquement, le poids existe, et il est en équilibre avec une autre force qui va pousser vers l'eau. Donc, c'est une force qui va pousser vers l'eau, et donc, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc, c'est Daviat al-Hamid, donc c'est la poussée d'Archimède. Et bien, cette poussée d'Archimède-là, qu'on note F indice A, vecteur, il est dirigé vers le haut. Et donc, cette force-là, qui est la poussée d'Archimède, on module, c'est le poids du fluide déplacé. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, à l'état initial, vous avez le fluide, si je reprends ce béchère-là, c'est-à-dire ce milieu liquide. Donc, à l'état initial, le niveau de fluide, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire que le fluide, il est à ce niveau-là. Donc, je vais changer de couleur. Donc, le fluide, il est à ce niveau-là. D'accord? Une fois que je vais émerger mon solide ou bien mon corps de volume V de T, donc le volume, bien sûr, il va augmenter. Donc, ça, c'est le volume initial et ça, c'est le volume final. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est le volume, c'est le volume ajouté. Et bien, ce volume-là ajouté, ce n'est rien d'autre que le volume de corps émergé. C'est-à-dire, si j'arrive à calculer la partie qui est émergée, ce n'est rien d'autre que c'est le fluide qui est déplacé. C'est-à-dire, c'est la quantité de fluide ou bien le volume de fluide qui est déplacé. Est-ce que c'est clair? Donc, je répète. Vous avez ici un milieu fluide, d'accord? Et vous avez un corps de volume V de T qui, partiellement, ce n'est pas totalement, on peut avoir un cas d'un fluide, d'un corps qui est totalement émergé, d'accord? Mais ici, il est partiellement immergé. Et donc, il y a une partie qui est à l'extérieur, une partie à l'intérieur. La partie qui est à l'intérieur, c'est le volume V émergé. Ça, c'est le volume V émergé. Et bien, ce volume V émergé, ce n'est rien d'autre que le volume de le fluide qui est déplacé. C'est cette quantité-là qui est en vert. C'est la quantité qui est en vert et c'est le volume de fluide déplacé. Et bien, la poussée d'Archimède, par définition, et ça à retenir sous cette forme-là, la poussée d'Archimède, c'est le poids de fluide déplacé. C'est le poids de fluide déplacé. Et bien, le poids de fluide déplacé, le poids, vous connaissez le poids. C'est quoi le poids? Répondez. Wahid, il dit... Pardon, oui. M fois G. Très bien. Donc, le poids de fluide déplacé, c'est M fois G. Mais je dis le poids de fluide déplacé. Ça veut dire ça, c'est la masse de fluide. Donc, le poids de fluide déplacé, c'est la masse de fluide. Et la masse de fluide, c'est ρ de fluide. Et donc, ρ de fluide, c'est ρ2 fois G qui multiplie par le volume de fluide déplacé. Et donc, c'est le volume émergé. Parce que la partie qui est en vert, c'est ce fluide-là qui est émergé. Et donc, voilà comment on a défini la poussée d'Archimède. Donc, la poussée d'Archimède, à retenir, c'est le poids de fluide déplacé. Et si je convertis cette phrase en équation mathématique, eh bien, c'est le ρ2 qui est multiplié par g fois le volume émergé. Parce que c'est le fluide qui est déplacé. Donc, la masse, c'est la masse de fluide. Et donc, c'est ρ2 fois g fois v. Ρ2 de fluide, Ρ2 c'est de fluide, qui multiplie par le volume, mais quel volume? De fluide, ce n'est pas de corps, ce n'est pas le volume total, mais c'est le volume de corps qui est émergé, la partie de corps qui émerge. Et donc c'est V émergé. Et donc, si je veux calculer l'intensité, le module de la force, ou bien de la poussée d'Archimède, et bien c'est Ρ de fluide, multiplié par G, fois le volume émergé. Voilà, c'est bien ça. Donc, je reviens à la remarque de M. Wahid Ihya. Il dit que le tableau de conversion, ce n'est pas obligatoire que ce tableau figure dans le polycôme. D'accord? Est-ce que c'est clair, Wahid? Ce n'est pas obligatoire.
Ça, c'est un complément. On ne doit pas faire une copie-collée de polycope. D'accord? Ça, c'est un plus. D'accord? Donc, ici, dans ce tableau-là, donc, j'ai pu résumer l'essentiel de relations de conversion. C'est tout. C'est tout. Voilà. Il faut chercher ailleurs, je crois. Ben Faïda, il dit ça. Oui, c'est exactement ça. C'est bien. Et voilà. Donc, voilà. Est-ce que vous avez compris ceci? C'est clair pour vous, la poussée d'Archimède? Très bien. Donc, on passe maintenant. On passe. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle deux notions qui sont importantes en mécanique de fluide et surtout lorsqu'on parle de ce qu'on appelle l'hydraulique. Dans le domaine hydraulique, on parle souvent de ce qu'on appelle l'IDB et même en biomécanique. Et biomécanique, c'est une branche qui travaille ou bien qui sert pour la biologie. C'est-à-dire, il va calculer l'IDB, un débit sanguin. D'accord? Et donc, on va parler de deux types de débit, soit un débit qui est appelé débit volumique ou bien le débit massif. Donc, on définit un débit volumique, considérer une conduite quelconque, une conduite par exemple qui est quelconque, par exemple une conduite qui a cette allure-là, donc une section ici, une petite section là, donc ça c'est deux sections. D'accord? Et je vais m'intéresser par exemple à une coupe à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est un élément de volume, un D de V, un élément de volume. Imaginez cette conduite à trois dimensions. Ce n'est pas à deux dimensions ici. Donc, imaginons une conduite qui est à trois dimensions. Eh bien, cette conduite-là, je vais isoler par la pensée un élément D de V. Eh bien, la quantité, vous avez l'écoulement dans ce sens-là, par exemple, le sens de l'écoulement du fluide en question. Donc, ce fluide-là, lorsqu'il va s'écouler, donc je vais m'intéresser au volume, au fluide, ou bien quantité de fluide, par unité de temps. C'est-à-dire par unité de temps. Et donc, si je calcule D de V, la variation de volume par rapport à T, je vais obtenir ce qu'on appelle le débit volumique. Le débit volumique. Eh bien, ce débit volumique-là, c'est D de V sur D de T. Volume V, c'est tout simplement une surface, bien puisque l'élément de volume, c'est D de S qui est multiplié par un D de L. Et puisque je divise par D de T, le D de L sur D de T, la variation de l'espace par rapport à T, c'est comme le mécanique de pointe, c'est la vitesse. Ça, c'est la vitesse. Et le V ici, c'est le volume. Il ne faut pas confondre, s'il vous plaît. Donc, souvent, je vais noter petit V, c'est la vitesse. Mais V, grand V, c'est le volume. Hein? C'est le volume. C'est clair? Et donc, dans ce cas-là, je vais obtenir V fois D de S. Et si j'intègre pour obtenir le débit global, QV, donc c'est l'intégrale de tout ça. Et donc, ça va donner V, vitesse, qui multiplie par la section. Ça, c'est le débit volume. Et ce débit volumique, puisque c'est le volume sur le temps, eh bien, il va être exprimé en mètres 3 par seconde. Il a atteint comme une valeur en mètres 3 par seconde, ça veut dire que c'est le débit volumique. On ne vous dit pas que le débit volumique, on vous dit que vous avez une quantité qui circule qui vaut par exemple 120 mètres 3 par seconde, ça veut dire qu'il faut penser à ce que cette quantité qu'on vous donne, c'est ce qu'on appelle un débit volumique, d'après son unité. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair? Pour le débit massique, c'est la quantité de matière qui va traverser la conduite, donc c'est la quantité de matière qui va traverser notre conduite par unité de temps. C'est la quantité de matière qui va traverser, par exemple, par unité de temps. Et bien, c'est D de M sur D de T. La même chose, M, on a dit que M, c'est rho V, rho fois le volume. Et donc, c'est D de M, donc elle va être D de M, c'est rho D de V, donc voilà. D de V, d'après ceci, c'est ds fois D de L. D de S sur D de T, c'est une vitesse. Et donc, on obtient ceci. Et si j'intègre, on obtient le débit massique global. Le débit massique global, c'est rho, c'est cette quantité-là. Donc, c'est rho fois V fois S. Et vous voyez que le débit massique, si je vais chercher les unités, eh bien, c'est en kilogrammes par seconde. Donc, je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un problème avec la plateforme?
un problème de connexion ou bien un problème de... C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à la plateforme. Oui, monsieur, parfois ça se bloque. Par exemple, la semaine dernière, depuis vendredi après-midi jusqu'à lundi matin, on ne pouvait pas accéder à la plateforme. Mais il faut mentionner parce que c'est la même chose, c'est-à-dire c'est une remarque qui est soulevée par d'autres étudiants, mais vous restez bouche bée. Essayez de contacter madame la vice-doyenne, madame Mira, pour régler le problème tout de suite. Il ne faut pas laisser 3 jours, 4 jours pour... c'est-à-dire si le problème il est là, donc il doit être réglé par un responsable, c'est madame Mira. D'accord? Donc, essayez de contacter, à chaque fois que vous avez des problèmes, essayez de contacter Mme Mouyara parce qu'il est à votre disposition. D'accord? Donc, il ne faut pas laisser les choses traîner comme ça. Donc, très bien. Donc, voilà. Donc, je reviens. Donc, vous avez ici deux grandeurs à retenir. La première, c'est là le débit volumique et le débit massique. Ça, c'est le débit massique qu'on note QM. Parfois, on trouve des notations DM, c'est un dB, mais en général, en mécanique de fluide, on note un Q, c'est le dB. D'accord? Et le QV, c'est le dB volume. Il y a une relation entre le dB massique à retenir aussi. Ça, rho fois S, ça, c'est rho fois V fois S, ça, c'est V fois S, et donc V fois S, c'est tout simplement QV. Et donc, la relation QM et QV, c'est tout simplement QM est égal à rho. Donc voilà une relation entre les deux dB. Voilà l'expression du dB. Il est en fonction de la vitesse. La section est de ρ. Avec ρ, c'est la masse volumique. On a déjà défini les grandeurs. La section, il doit être en mètres carrés. Donc la section doit être en mètres carrés. La vitesse doit être en mètres par seconde. Et la masse volumique en kilogrammes par mètre trop. Ça, c'est les unités qu'il faut respecter. D'accord? La même chose ici. La même chose ici. On peut... voilà, c'est bon. C'est très bien. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est le débit massif. Ça, c'est le débit volumique. Et ça, c'est la relation entre les deux et les unités en question. Donc, un jour, j'ai contacté ma responsable. Donc, voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas de questions jusqu'à présent? Donc voilà, s'il vous plaît, il va rester une séance. Une séance, c'est la semaine prochaine. D'accord? Donc la semaine prochaine, je vais essayer de terminer dans 20 à 30 minutes, ce qui reste. Et on va aborder la série sur la mécanique des fluides. D'accord? Parce que cette série-là, c'est moi-même et c'est M. Boulzard qui va la traiter. D'accord? Et donc, pour les enseignants de TD, ils vont assurer la suite du TD de la série sur l'électricité et l'humanisme. D'accord? Mais, vu que la série, il comporte un certain nombre d'exercices qui sont importants, et vu que une demi-heure, ou bien même pas une heure, c'est pas suffisant, donc, on va essayer de programmer une autre séance à distance. On va essayer de programmer une autre séance parce que l'arrêt de cours et de TD, c'est pour 5 juin, c'est-à-dire pour le 5-6. Et donc, on va essayer de programmer une séance avant le 5-6. Par exemple, un samedi, je ne sais pas pour le moment, on va préciser ça la semaine prochaine. D'accord? Donc, on va préciser ça lorsqu'on va assurer la suite du cours. Et on va aborder la série. D'accord? Et donc, vu ou bien vis-à-vis de ce qui reste en TD, c'est-à-dire d'exercices ou bien nombre d'exercices, on va programmer une séance soit d'une heure et demie, soit de 2 heures, soit de 3 heures, peut-être un samedi. Vous êtes libre un samedi, par exemple. N'est-ce pas? Ou bien un vendredi. D'accord? C'est pas le vendredi, ce vendredi et ce samedi, mais le vendredi de la semaine prochaine. Ou bien le samedi la semaine prochaine. C'est clair, oui ou non? Pour le samedi, monsieur, on a dit cours de biologie animale et végétale. Le samedi matin. Mais quand est-ce que vous allez terminer le cours de biologie?
Est-ce que le samedi prochain, je c'est... Je ne sais pas. Hein? Donc, le matin. Si je prie le matin, donc on va essayer de programmer sur l'après-midi. D'accord? Ah, d'accord. À distance. C'est une séance à distance. Et comme ça, vous allez, par exemple, poser des questions à propos de la mécanique de poids qu'on a déjà vue, etc. Si vous avez des questions, etc. Donc, on va répondre à toutes vos questions, que ce soit en mécanique de fluide ou bien en mécanique de poids. D'accord? Donc, voilà, maintenant, il reste un petit exercice d'application parce qu'on doit terminer à midi moins 15, c'est ça? Donc, il reste encore 10 minutes. Donc, dans ces 10 minutes, donc, je vais essayer d'aborder un petit exercice d'application et je vais vous laisser le temps si vous avez des questions. D'accord? Donc, tout de suite pour l'exercice d'application. Voilà. Donc, un exemple d'application. On va appliquer ces formules qu'on vient de donner. C'est le débit volumique et le débit massif. Et bien, l'énoncé de l'exercice ou bien de l'exercice d'application, on vous demande de calculer tout simplement le débit volumique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut calculer QV. Et le débit massif, QM. D'accord? À travers quoi? À travers un tube. On va prendre un tube qui est cylindrique, comme ça. Un tube qui est cylindrique. D'accord? C'est un tube qui a un diamètre D est égal à 10 mm. Ça, c'est le diamètre. C'est petit D qui est égal à 10 mm. Et vous avez un fluide qui est incompressé. Et ça, c'est très important. Et je pourrais dire que j'ai oublié pourquoi on précise que le fluide ici, il est incompressible. Parce que les relations, elles sont vraies que lorsque le fluide il est incompressible. Mais qui peut me dire la différence? Pourquoi ces relations sont vraies en cas de fluide incompressible et pas non, dans l'autre cas? Pourquoi? Voilà. Est-ce que vous avez une réponse? Eh bien, la réponse n'est pas difficile. On a dit que D de M, revenons à cette diapositive-là. Donc, on a dit que ce D de QM, par exemple, c'est quoi? C'est D de M, c'est D de T. Et c'est quoi le M? On a dit que Rho est égal à M sur V. Rho égale à M sur V. Ça veut dire ça, c'est D sur D de T, de quoi? De Rho fois V. Parce que M, je remplace par Rho V. Est-ce que c'est clair? Mais le passage de là à là, le passage de là à là, on a fait sortir le rho. C'est-à-dire que le rho, il est, on a considéré que c'est constant. Et donc, si le rho est une constante, si la masse volumique est constante, ça veut dire que le fluide il est incompressible. Mais si le fluide n'est pas compressible, c'est-à-dire que le rho ne peut pas sortir de la dérivée. Il faut dériver. Vous avez une dérivée de F fois G. Est-ce que c'est clair? Donc voilà pourquoi le fluide il est incompressible. C'est-à-dire que sinon, il faut chercher une relation de ρ qui est dans ρ et il faut dériver ρ par rapport à T. Et ce n'est pas le cas ici. Donc seulement, puisque le ρ ou bien puisque le fluide il est incompressible, pour ce qui est le ρ ou bien le fluide il est incompressible, ça veut dire que ρ est une constante et si ρ est constant, et donc automatiquement je peux la faire sortir et on aura donc ceci. Donc voilà. C'est-à-dire, cette relation et cette relation a été établie dans le cas d'un fluide qui est incompressible. Dans tous les exercices, il est incompressible. Comme ça, dans tous les exercices, il est incompressible. En général, on va travailler avec les fluides qui sont incompressibles. En général. D'accord? Mais si on travaille avec un gaz par exemple, si on travaille avec un gaz, par exemple, l'azote, ou bien l'hydrogène, ou bien l'hélium, ou bien par exemple l'argon, ou bien le butane, etc. Et bien ça c'est un fluide qui ne peut pas être incompressible, il est compressible. D'accord? Mais généralement, on va travailler avec les fluides qui sont incompressibles, par exemple comme l'eau, ou bien comme l'huile, etc. D'accord? Bien, donc revenons à l'exercice maintenant. Ici, donc, on a donc parlé d'un fluide qui est incompressible. Et vous voyez pourquoi? Parce que je suis tranquille maintenant d'appliquer cette relation et celle-ci. D'accord? On vous dit que la masse volumique est vaut ceci. Et ce fluide-là, il s'écoule avec une vitesse de 13 ou bien 1,3 mètre par seconde. Et bien, la question, c'est calculer le débit volumique. Allez-y. C'est quoi le débit volumique ici? Alors, la solution, elle est devant vous, mais quand même, je discute ces solutions.
C'est quoi le débit volumique? Vous répondez. Donc, le débit volumique QV, c'est quoi? C'est la vitesse qui multiplie par la section. Et la section, c'est tout simplement, puisque la conduite, elle est cylindrique. Donc, ça, c'est une section. La base ici, c'est un cercle. Et la surface ici, donc, ce n'est rien d'autre que pi fois r au carré. Donc, Wahid, il dit oui, très bien, Wahid. Donc, c'est V fois S, très bien. Donc, S, la section, c'est pi fois r carré. Le plus important ici, c'est les unités. Attention aux unités. Alors, je répète, attention de laisser, par exemple, D en millimètres. Parce que ici, on vous donne un rho en kilogramme par mètre. Et on vous donne ici une vitesse en mètre par seconde. Il ne faut pas laisser ça en millimètre, mais il faut faire la conversion. Et ça, c'est la plus... C'est la seule difficulté. C'est la seule difficulté et c'est la bêtise que vous commettez tous à l'examen. C'est-à-dire, dans l'examen, la plupart des étudiants commettent des bêtises à ce niveau-là. Donc, ils ne savent pas comment convertir correctement et comment appliquer une telle relation correctement. D'accord? Donc, la section doit être en mètre carré. Et donc, puisque c'est la section de la base ici, c'est une surface, il y a un cylindre ou bien un disque. Donc, c'est pi fois r carré. Le r, c'est d sur 2 au carré. Et donc, c'est 3,14, c'est pi. Et la distance d, c'est 10 mm fois 10 moins 3 mètres, divisé par 4. Et je trouve cette valeur-là. Donc, je trouve c'est 10 à la puissance moins 4 fois 0,785 mètres carrés. Et donc, une fois que vous avez calculé cette quantité-là, on fait la multiplication avec la vitesse. Je trouve le débit volumique. Et je multiplie ce débit volumique par rho et je vais trouver la masse ou bien le débit massé. Mais attention, le débit volumique est en mètre 3 par seconde et le débit massé est en kilogramme par seconde. Et il faut préciser les unités. Il ne faut pas dire que QV est égal à 1,010 à la puissance moins 4 et c'est tout. Ça, c'est faux. Il faut préciser l'unité de débit volumique. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc il reste encore quelques minutes. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Allez-y. Est-ce que vous avez une question? Donc, Shaima, il dit très bien, tout est clair. Merci, oui, merci. Donc, Ramia, c'est bien. Bien sûr, vous pouvez nous déposer des détails. Oui, je vais, Ramia, et pour les autres, bien sûr. Une fois, on va aborder la série, soit la totalité de la série, soit une grande partie de la série. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps suffisant de traiter la série avec les 8 exercices qui figurent. D'accord? Et si jamais on va traiter la grande partie de la série, je vais héberger le corrigé en détail. En détail. C'est-à-dire que vous n'allez pas fournir d'efforts pour comprendre la solution. Donc, je vais détailler la solution et je vais l'héberger. D'ailleurs, j'ai déjà hébergé le corrigé de la série de la mécanique de points. Il est sur la plateforme. D'accord? Donc, on va essayer, donc à la fin, on va achever le cours et les TD. Donc, je vais héberger le cours, le PPT, c'est-à-dire ce PPT-là, et je vais héberger le corrigé en détail de la série. D'accord? Seulement, il reste à faire un effort de votre part. Donc, essayez de faire un effort, essayez de ne pas perdre de temps et essayez d'avoir une bonne note en SVTU, c'est-à-dire en mécanique. Et en électricité et en physique, ou bien biophysique de l'école. Ce n'est pas difficile. D'accord? Riva, il dit, et les autres séries qu'on a déjà fait, c'est pour l'électrostatique. Donc, je vais demander à M. Bolzhard de d'héberger le corrigé de la série. D'accord? Parce que c'est lui qui a assuré le cours. D'accord? Très bien. Donc, bien sûr, c'est clair que c'est une autre question, ce n'est pas que c'est ici. Donc, il y a d'autres séries, donc aussi pour l'électrostatique. Mohamed Aït Ben Amar, donc j'ai répondu à la question.
Je vais essayer de contacter M. Bouchefront pour faire la même chose, c'est-à-dire qu'il doit héberger le. Il va héberger la. Le colisée. Il y a une autre question. Donc, il va, ici, pouvez-vous me déposer des exemples d'examen? Pour les exemples d'examen, donc peut-être je vais essayer d'héberger le colisée de l'examen de l'année dernière. D'accord? Mais ce n'est pas difficile. Essayez de, s'il vous plaît, essayez de bien maîtriser. Ah ben, ça, c'est garanti. Essayez de bien maîtriser le cours. Essayez de bien maîtriser le cours.